Et coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors bah je viens de me réveiller, je suis contente parce que je me suis endormie avec une migraine de l'espace. Mais ce matin, ça va, ça va. Là, je m'apprête à prendre mon petit déj. Je suis en train de commencer la préparation derrière. Et je vais aller chez Action parce que bah il me manque par exemple des chaussons. J'aime bien leurs chaussons, même s'ils s'explosent assez vite. J'en ai plus là. Et puis deux, trois petites choses. Donc de toute façon, je vais vous emmener avec moi. Je vais me faire un pamplemousse ce matin. Un yaourt, je me suis trompée, je pensais qu'il était sans sucre. C'est vrai que j'ai du mal maintenant avec les yaourts sans sucre, même le goût, hein, c'est bof, donc je vais le finir bien sûr. J'ai plus grand chose, il va falloir que j'aille faire des courses, j'ai commencé la petite liste aussi. Je vais rajouter des baies de goji qui sont là dans mon yaourt, mon pain azyme avec une tranche. Voilà, très bien de fromage. Il va me manquer mon petit jus de carotte, il va falloir que j'en rachète et le café, bah, je le prendrai juste après. Et toi, t'as dit bonjour? Tiens, papa, il a laissé sa cape de Superman. Oui, il est parti au travail, papa. Il commence à 8 h ce matin. Allez. On va manger. Bon, je vous retrouve. Il est pas loin de 11 h. Eric, je crois qu'il finit à 11 h, donc il a pris ma voiture, ce qui était un petit peu à la bourre. Donc j'attends qu'il arrive pour aller à Action. Et je me suis dit que c'était le moment de tester les fameux cils magnétiques, parce que vous m'avez demandé de faire la démo. Je vous remonte, donc c'est de la marque Magnetic Eyelashes. C'est la marque qui m'a contactée donc, pour les tester. Je leur avais dit que je réfléchissais. Ils ne m'ont pas laissé le temps de réfléchir, ils me les ont envoyés. Bon, après, c'est cool, hein. Voilà, ça se présente comme ceci. Je les avais déjà sortis pour voir un petit peu le truc. On a les cils du bas, on a la frange du haut. Et on va voir. Il y a également la petite pince, hein, je pense, pour aider au niveau de l'application. Je vous dis, hein, je ne sais absolument pas si ça va fonctionner. Je vous montre comment j'ai installé le truc. Parce que juste après, je vais mettre le ring, la lumière. Vous voyez, ça c'est de l'installation un peu sommaire. Il y a l'éclairage, derrière j'ai la glace. Et puis, bah, on va tester tout ça, hein. Bouton aussi? Il est vraiment bon. Ça a l'air de marcher. On va mettre celui du milieu. Ah, si, ça me prend. Ah, ça fait une pression. C'est drôle. Et là. Non. Le résultat, ça fait quand même fossile, hein, je trouve, non? Pour une soirée, c'est canon par contre. C'est joli quand même. Je pense pas que ça parte comme ça si facilement parce que ça a l'air de. Bah, c'est aimanté. Ça a l'air de bien tenir. Hein. Franchement, je pensais que j'allais beaucoup plus galérer, mais ça va. Non, c'est joli. J'aurais peut-être quand même. S'il m'avait laissé choisir, j'aurais pris un modèle un chouïa plus naturel, plus discret. Mais comme je vous dis, pour une soirée, eh ben, je suis contente. Sinon, il est déjà midi moins le quart, Eric est rentré vers 11 h 20. Et j'ai reçu ça. Donc ce matin, bah, je présenterai sur la chaîne des box. C'est la box bio, évidence naturelle. Et là, bah, je me tâte. Est-ce que je grignote avant de partir chez Action? Non, je vais chez Action. J'ai retiré mes fossiles, hein, par contre. Je les garde quand même pour un événement un petit peu plus adapté. Mais je dois dire que je ne m'attendais pas à un tel résultat, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il faudra la prochaine fois que je prenne vraiment plus de temps pour les petits détails. Mais c'est plutôt chouette. Regardez ce qu'il fait, je ne sais plus si je vous ai montré. Toujours mon tapis. Tu me l'abîmes vraiment, Jack, arrête. Sois gentil garçon, s'il te plaît. Oui, il y a ton jeu là-bas. Maman, elle veut pas le tapis. Allez, arrête. Arrête avec le tapis, laisse. Bon, bah, je crois que c'est foutu, hein. Cette fois-ci, j'y vais. Si j'ai le courage, j'emmène ça, mais c'est pas dit. Hein. Si j'enchaîne, je sais pas, bébé, si je vais enchaîner avec les courses. Hein. Je vois, je vois. Et ben voilà, je suis chez Action. En fait, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de vraiment tourner, là, en rentrant, la vidéo de mes petits achats. Enfin, si je trouve des trucs. J'ai trouvé des petits trucs sympas, mais il n'y avait plus de chaussons. Forcément, on est dans l'été, maintenant c'est plutôt les tongs, les trucs comme ça, c'est dommage. Mais ouais, j'ai hâte de vous montrer ça dans le hall. Bon, il est midi et demi, je vais me dépêcher. Si je veux que ma vidéo sorte à 18 h.
Je viens de rentrer et il est déjà 13h20, ça va être chaud. J'ai rencontré quelqu'un en ville que je n'avais pas eu depuis longtemps, donc on a parlé assez longuement et j'étais devant un traiteur chinois et j'ai eu envie d'y aller. Donc bah, j'ai pris quelques petits trucs. Là, moi, je vais grignoter ce midi et puis le reste, ce sera pour. En plus, il adore ça. Et pour ce soir, Eric va être très content. Alors, j'ai pris deux samoussas de poulet de nem, ça c'est pour lui. Des samoussas de légumes, ça me donnait super envie, ça va être plutôt pour moi. Le rouleau de printemps, j'adore ça. Alors ça par contre, je vais me le prendre ce midi, je pense. Les petites sauces, hein, forcément. Et le riz cantonais, ils avaient un riz qui me donnait envie à base de comment, d'ananas, sauce tomate, mais ils m'ont dit que c'était un peu épicé, donc bah non. Et ils nous ont glissé un petit peu de nougat, voilà. Je me goûte les petits samoussas légumes. Qu'est-ce que c'est bon? Je les ai mis quoi? 1 minute 30 au four. Vu l'heure, je suis en train de me dire, bon, c'est pas bien grave, mais j'ai peur que j'ai vraiment pas le temps. Et j'ai pas envie de faire non plus un haul bâclé, quoi, à l'arrache. J'aime pas. J'aime pas. Je vous montre un truc que vous ne voyez pas. Pendant que je suis en train de les préparer, il a commencé à en manger. Donc, bah non, en fait. Maman, elle n'était pas contente. Voilà. En plus, t'aimerais pas, c'est épicé. Je viens d'aller chercher le comment ça s'appelle, nougat. Mais qu'est-ce que c'est bon, j'adore le sésame grillé. Je suis en train de faire mes petits réglages juste avant de tourner. Je sais pas, est-ce que ça. J'aime bien l'idée de se voir comme ça. Je pense que je vais laisser ce cadrage. Allez. Et ben finalement, je me suis complètement changée au niveau coiffure et petit haut. J'aime beaucoup ce haut. Je trouve qu'il est super chic. Je l'avais vu, je crois, chez Zara. Ouais. Et let's go, girl. Oh, fin de tournage. Non, il faut laisser la place à maman. S'il te plaît. Sois mignon, garçon. Laisse la place. Allez. Allez, il faut que je travaille, moi. Oh, il est beau, ce garçon. Mais il est beau. 5h. Il est 5h02. J'ai quasiment terminé, je suis contente. Alors, ma vidéo, elle sera pas à 6h, elle sera à 6h05. Mais j'ai. Ah, je suis contente parce que j'ai fait les choses bien quand même. J'ai fait vite, mais bien. Je suis en robe de chambre parce que je me suis changée, rechangée. J'ai essayé deux trucs que j'ai pris chez Action d'ailleurs. Et puis, comme j'avais changé de haut, bref, je suis claquée. Faudrait peut-être que j'aille faire mes courses parce que, comme je vous disais, j'ai plus rien. Et j'ai peur de ne pas avoir le courage demain matin. C'est jouable. Bon, au final, j'ai changé d'avis déjà parce que, bon, il fait pas beau du tout. La maison, c'est trop le bazar, donc je préfère tout ranger. Et on s'est dit avec Eric, donc comme c'est moi le petit déj que j'ai pas, enfin c'est surtout au niveau du petit déj qui va me manquer des trucs, attendez. Demain matin, nous irions chercher le petit déj à la boulangerie. Donc du pain frais, bien croustillant, avec du beurre, tout ça. Et puis viennoiserie, pain au chocolat, croissant. Et bah, de toute façon, il me manque des trucs, donc j'aurai pas le choix à un moment donné d'y aller. J'irai plutôt demain. Demain, sur les coups de. Voilà où il y a le moins de monde. C'est-à-dire. Je sais pas, mais j'irai demain. Vous allez vous demander ce que je fais là. Eh bien, j'étais en train de ranger. J'ai bien avancé. Et je me suis rendu compte qu'il n'y aurait pas assez de chinois pour ce soir. J'ai même montré à Eric, il m'a dit, ouais, non, ça va être juste. Donc, je me suis dépêchée avant que ça ferme. Il doit être 19h passé pour faire un petit complément. Et, donc c'est pas loin de chez moi, je me suis rendu compte que dans un café qui est juste à côté également, il y avait Anso, c'est une nana en fait, on se suit un peu mutuellement. Elle est blogueuse, elle est chanteuse et bah, elle joue en concert ce soir. Donc je pense que là, elle est en train de préparer, faire les balances et tout ça et tout ça. Je vais peut-être aller lui faire un coucou, me présenter parce qu'on se connaît pas. Enfin, on se connaît de réseaux sociaux comme ça, j'aime ta photo, t'aimes, voilà, bref. Et ce serait vraiment ridicule que je. Elle habite à Paris. Ce serait ridicule que je lui fasse pas un coucou. Donc je vais essayer de voir sans trop la déranger. Alors, donc,
j'ai retrouvé, c'est Anso. Alors, je sais pas si vous la connaissez, c'est vrai que si, qu'elle est quand même pas mal là sur Insta, et elle fait avant tout, c'est vraiment de la musique, quoi. Elle est chanteuse, en plus là, elle va faire vraiment ses titres avec Olivier. Voilà, donc on s'est retrouvé. Enchantée. Je suis rentrée, ça m'a bien fait plaisir d'y aller, en fait, de la rencontrer. Même si je suis pas restée longtemps, on a bien papoté, c'est vraiment cool. Et je vais vous mettre de toute façon tous les liens, ses liens en fait, son Instagram, sa page musique, si jamais vous êtes curieux d'aller la découvrir. Donc c'est vraiment cool. Et là, il y a le four qui chauffe, je peux vous dire qu'il y a des trucs sympathiques. J'ai fait des petits ajustements, en plus ils ont été super sympas aux Chinois, je leur ai demandé pas trop épicé, ils m'ont fait goûter carrément. Donc c'était épicé, ça tombe très bien, j'ai pas pris, mais ouais, c'est cool, franchement j'y retournerai beaucoup plus souvent, en plus ça ferme à 21h, ça je savais pas, donc ça c'est une très bonne chose. Je me suis pris des gyoza au poulet, j'adore ça, moi je les ai fait un petit peu revenir à la poêle, c'est ce qu'elle m'a conseillé de faire pour que ça soit plutôt croustillant, ça c'est mon samoussa de ce midi. Légumes, ça c'est au poulet pour Eric, des nems. Et là-bas il y a les nouilles, j'adore les nouilles sautées. Le riz cantonné. Ça c'est du poulet aux champignons. Et le petit péché mignon, c'est ton péché mignon ça. Porc au caramel. T'adores ça. Tiens. C'était super bon ce petit chinois. Et ben là je me fais mon dessert, vous savez c'est des fruits rouges. Il y a des framboises, il y a un peu de tout. C'est surgelé et c'est bio. J'attends un petit peu que ça décongèle. Et je vais clôturer ce vlog maintenant. Je vais pas vous dire à demain parce que demain on est samedi et j'avais dit que le samedi c'était on va dire repos. Je m'occupe un peu de la maison, de mes proches, tout ça. Bon, je vais quand même faire le montage du vlog que vous êtes en train de voir. Et on va se retrouver lundi, voilà, dans un nouveau vlog. Je vous fais un gros bisou. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait et de liker cette vidéo. Salut !